Coucou tout le monde, me revoilà pour une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo haul make-up. Oui, je suis désolée, je suis... Les cheveux, ça veut pas se placer ce matin. Oui, parce que je filme, il est 8h10. Je suis arrivée depuis 7h, du coup je me dis, allez, on se prépare, petit déjeuner, tatatitatata, et je tourne une vidéo avec... dès le matin. Pour, j'essaie de le mettre le plus vite possible. Alors, je reviens sur la vidéo des produits Aromazone. On ne voit rien. J'ai essayé de la monter, c'est nul. Je peux juste vous faire un retour sur les produits indépendamment. Mais franchement, la vidéo n'a aucun intérêt. Voilà. Je suis désolée. Je sais que certaines les attendaient avec impatience. Mais franchement, j'ai fait... Je fais de... Voilà. Nul. Désolée. Bon. Je vais vous présenter, on va commencer la présentation parce que je n'ai pas 1000 ans. Après moi je vais travailler comme vous pouvez l'imaginer. Les nouveaux fards duochrome de Corazona. Donc il y en avait 6, c'est Magic Chrome. Ils sont magiques. En tout cas les premiers étaient vraiment magiques. J'imagine que ceux-là le sont tout autant. Donc je les ouvre et je reviens. A tout de suite. Me revoilà avec mon antenne. Moi et mon antenne. Tout à l'heure était là, mais j'ai l'impression que je la voyais moins. Bon, c'est pas grave. Alors, il y en avait 6 nouveaux. Donc, je suis sûre que c'est des nouveaux parce qu'ils étaient plus chers. Donc, vous avez... Je ne vais pas vous les swatcher parce que je vais travailler. Je vais me retrouver avec du make-up partout. Ça va être pas génial. Donc, il y a le Magic Chrome Leto. Je vais vous ouvrir. Vous voyez ? Après, il y a le Idalia. Alors, j'ai vraiment vérifié parce que je suis sûre à pouvoir acheter un doublon. C'est sans problème. Et là, c'est sûr, ils sont nouveaux. Alors, par contre, il y en a qui ressemblent beaucoup au premier. Hein. C'était pas le cas. Donc là, c'est le Nusa. Je vous ai montré. Celui-ci, il est plus brillant que duochrome, celui-là, j'ai l'impression. Et c'est Gaia. Après, on a Delia, qui, pareil, me fait penser plus à des paillettes pressées plutôt qu'à un duochrome. Voilà. Très joli, quand même. Hein. Voilà. Et le petit dernier, Célène, on va dire ça comme ça. Un blanc avec plein de reflets. Franchement, il pourrait faire un highlighter, je pense. Très, très joli. Donc, par contre, très, très compliqué à ouvrir. Je m'en suis... je sais pas si vous allez voir, je me suis fait mal. Ces cartons, c'est un enfer à ouvrir. Donc, voilà. Voilà, voilà. Après, je vais... Donc, ça s'agit sur plusieurs commandes. Sur deux commandes pour le Colourpop. Donc, première commande. J'avais pris cette collection-là. Donc, c'est les palettes. Donc, là, il y a... C'est la Forever Floral. Donc, elle est donc dans les tons un peu pêche. Voilà. Magnifique. Oui, je vais peut-être un peu vite, mais je me dis que de toute façon, je vais essayer de vous faire plus de vidéos make-up. Et après, nous avions la In Days, qui est le ton violet un peu et bleu. Donc, j'ai rien swatché, rien testé pour le moment. Voilà. Elles sont un peu dans l'esprit de... Enfin, pour celle-ci, elle est un peu dans l'esprit de celle du printemps dernier. Donc, je sais plus les noms, en fait. Mais c'est pas du tout ce que j'ai comparé. Hein. J'ai pas acheté comme ça. Et non. Et là, Super Bloom. Donc, okay. Comme ceci. J'avais pas vu qu'il y avait un dégât sur la boîte. Bon, c'est pas grave. L'intérieur n'est pas cassé, de toute façon. Donc, voilà, très vert. Pour le coup, elle est full vert, ce qui n'était pas forcément le cas à chaque fois. Donc, quand vous avez des petites palettes vertes, souvent, ils vont mettre du brun, des choses comme ça. Là, elle est vraiment full vert. Et j'ai pris la palette Wings, donc, qui était comme ça dans le packaging, qui se présente comme ceci. Et j'ai pris que ça, parce que le reste ne m'intéressait pas. Donc, j'ai vraiment que la palette. Voilà. Oui. Elle est très jolie, j'ai hâte de tester. Parce que c'est comme les petites que je vous ai montrées précédemment, je n'ai rien testé. J'ai reçu ça depuis quand même un petit peu de temps. Peut-être une semaine,
Ouais, mais j'ai rien testé. J'ai commandé la palette de Saint-Valentin de Beauty Bay. Donc la Retro Love. Voilà. Je vous la montre comme ça. C'est plus intéressant que le miroir, on s'en fout. Voilà. J'ai commandé que ça aussi hein, sur Beauty Bay. Parce que le reste, j'ai honnêtement, j'ai beaucoup de palettes de la marque Beauty Bay. Donc, j'avais pas besoin de... Enfin, voilà. J'en ai même offert pour Noël. J'en ai offert une à ma maman. Elle en est ravie. Après, j'ai commandé toute la collection Saint-Valentin. Donc, de Colourpop. Je vais vous la montrer. Ah oui, j'ai commandé de l'Onequa. Donc sur Aromazon, j'ai pris deux flacons parce qu'en fait c'est pour mes shampoings, surtout pour les démêlants. Je vous en reparlerai, je pense que je vous ferai un update sur une vidéo assez courte. Ça passera pas en short, je pense. Mais voilà. Alors, je vais vous montrer d'abord la palette qui était dans son petit packaging comme ça. Voilà. Voilà. Très jolie, vraiment, je la trouve même plus jolie que celle de l'année dernière. Voilà. Alors, j'ai eu un petit souci, c'est que j'ai eu mon colis d'ouvert par la poste. Quelqu'un s'est permis d'ouvrir ma commande et m'a mis un coup d'ongle dans un... et a swatché un highlighter, un des highlighters. Donc, ça se présentait dans des cartons comme ça. Et voilà, donc là, c'est le Love Struck. Excusez-moi le nom d'anglais. Je suis un peu deg, mais bon. J'ai essayé de voir avec Colourpop. Ils me disent oui, c'est fait à la main, etc. Oui, je veux bien, mais ça, c'est un coup d'ongle. Quand ils font leurs produits, ils mettent des gants. Donc, l'ongle, c'est pas possible, en fait. Voilà. Donc, je suis en négociation avec eux. On sait très bien que Colourpop sont au niveau service à la clientèle. Ils sont pas toujours top. Donc, bon. Ils sont pas complètement nuls, mais ils sont pas ouf, quoi. On le sait. Après, je sors tout. Il y avait un petit porte-clés. Voilà. Mais je vais sortir ce qui vous intéresse le plus. Hein, d'abord, les highlighters et les blushs. Alors, je pense que ça, c'est un blush. Toujours ma petite boîte toute mignonne, je trouve. C'est vraiment adorable. Et c'est le Hot to Touch. Il se présente comme ça. Oui, je sais, c'est très rapide. C'est un rose très vif. Vous me dites, mais pourquoi j'achète ça alors, mais jamais. Oui, mais je m'en sers en fard à paupières par moment. Et je compte m'y mettre avec un à me faire mes teints hein, parce que je trouve ça plus joli. Et faut que je trouve le produit. En 2023, c'est le défi, c'est de trouver le bon produit teint qui ne transfère pas trop, que je peux mettre même quand je vais karaté. Surtout les jours que je suis en star comme aujourd'hui. Voilà. Après, highlighter. Le Your Slowing. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je sais pas si je le dis bien. En plus, c'était un rosé. Là, c'est un plutôt jaune. Enfin, sous-ton jaune. Petit peu champagne. Mais j'aime beaucoup. Ça, c'est sûr, je m'en servirai beaucoup. Voilà. Sans problème. Après, un autre highlighter, je pense. Le In My Feel. Okay. Ouais, c'est un peu plus violet. Oui. Avec mon Marine Light, vous voyez pas grand chose en fait. Mais bon, il est magnifique. Faites-moi confiance. Il est. Oui, c'est vrai que j'ai tout sorti. Ah, l'habitude de tout laisser traîner dans le carton en fait. Un autre highlighter qui va être, à mon avis, un peu plus pêche. Parce que la boîte est plutôt pêche. Mais j'adore. Je les ai pas ouverts plus que ça. Enfin, juste pour vérifier que s'ils n'étaient pas cassés. Parce que voilà. On est presque sur un blush scintillant en fait, hein, vu la foncée. Après, c'est dans le pan. Ça ne veut pas dire que en vrai, il sera aussi foncé. Hein. Ça ne veut rien dire. Je pense que c'est le dernier highlighter. Il y en a 5 et. Ouais. Alors, je pense que oui. Ouais, il y avait 4 blushs et 5 highlighters. Le Making Memory. Là, il est vraiment plus blanc, en fait, par rapport à l'autre. Voilà, très joli. Très, très joli. Alors, nouveau blush.
c'est le Sweet Hair. Sweet Hair. Et c'est un petit rose bébé. Trop mignonne. Trop mignon, mignon. Voilà. Et un autre blush, avant dernier. Le Cupid Bow. Et c'est un, pareil, c'est un rose un peu plus pâle. Presque lilas. Voilà. Et dernier blush. C'est le Who Me. Alors, il faut que je regarde l'heure qu'il est parce que... Évidemment, je n'ai pas mis ma montre. Mais ça va. Alors, il est plus rouge. Magnifique, magnifique. Donc ça, c'était pour les blushs et les highlighters. Il y avait deux soins des lèvres. Enfin, un kit de soins des lèvres. Je vous montre comme ça, je n'ouvre pas parce que bon, c'est un baume et un scrub en stick, ce qui est plutôt pratique. Nous avions... Alors, si, j'ai bien oublié le carton. Ah, voici. Normalement, c'est bon. Tout est sorti. Il y avait trois lipsticks. Donc, vous aviez une teinte comme ça. Comme ceci. Voilà. Oh, ils sont durs à ouvrir, ces trucs. Donc, un peu plus nude. Un peu plus soutenu. Un deuxième. Voilà. Et le dernier, qui est un peu plus rose. C'est un rose, ça reste assez neutre hein, quand même. C'est pas du tout les couleurs que je mets d'habitude, mais pourquoi pas. Vous voyez? Pourquoi pas. Voilà. Et il y avait deux tampons en forme de cœur. Donc un rouge, un rose. Et franchement, ils sont très très beaux. Très 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 chouettes. Donc ça, par contre, je vais vous tamponner parce que sinon, vous vous rendrez pas compte, en fait, de la teinte. Donc ça, c'est le rouge. Alors, ils tiennent très bien. Enfin, sur la main, je sais que j'ai du mal à les faire partir quand j'ai testé la dernière fois. Et le rose. Voilà. Bon. Je vous ai tout montré de la collection. Et de ce que j'ai reçu. Dites-moi ce qui vous plaît le plus. Et voilà. Je vais essayer de faire un make-up avec les trois palettes. Les quatre. Enfin, toutes ces palettes. Quand, je ne sais pas. Ce week-end, donc là, on est mardi. J'ai prévu d'essayer de faire un séance make-up samedi et même dimanche parce qu'il faudrait que je puisse faire plusieurs vidéos. Et vu ce que j'ai à vous montrer, effectivement, c'est très, quand même beaucoup mieux. Prochaine vidéo, je pense que ça va être un make-up. Je vais essayer. Et peut-être vous montrer un peu mes pops parce que j'en ai acheté plein. J'en ai acheté pour l'anniversaire de mon mari. J'en ai acheté pour la Saint-Valentin pour mon mari. Donc voilà. Et puis bon, j'en ai acheté pour moi aussi, bien entendu. Donc, j'essaierai de vous faire ça. En tout cas, je vous fais plein de bisous. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Si vous n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air, un petit commentaire. Surtout le petit commentaire, c'est hyper intéressant, c'est hyper motivant. Et voilà, je vous fais plein de bisous. À une prochaine vidéo. Bye.